Alors voilà. En fait, ça va se dérouler comme ça. À un moment donné, alors c'est pas une petite cloche qui va retentir parce qu'on n'a pas de petite cloche. Donc je ferai la cloche. On a une grande cloche. Donc je ferai ding. Et à ce moment-là, eh bien vous aurez pour mission d'offrir, on va dire, à quelqu'un un petit mot. Alors il y aura moins de cloches qu'il y a de petits mots. Donc on fera en fonction. Et pour ça, c'est un peu interactif quand même. On nous a bien dit. Hein, faut, voilà. Donc si on n'a pas ses lunettes ou eh ben, on fait lire son voisin. Non, non, pas tout de suite, c'est une surprise. Il faut laisser aller la spontanéité. Ça commence bien, hein. Comment dire ? Et puis ça fait un petit cadeau pour la suite. Hop là ! De la naissance du langage amoureux. La tribu rentrait de la chasse. Les hommes traînaient derrière eux leur butin sanguinolent en poussant des grognements de satisfaction. Devant la grotte s'entassaient pêle-mêle des cuisseaux de marcassins, queues de tigres, pattes d'ours, oreilles de lapin, cou de mammouth, foie de loup, massue gourdin et quelques autres morceaux dont on ne pouvait dire s'ils appartenaient au gibier ou bien aux chasseurs. Enfin arriva l'idiot, le simplet, ce qui, vu le niveau de village, le dotait d'un cerveau gros comme un coquillage. D'ordinaire, il ramenait un caillou, une aile de papillon, une guirlande de mouche ou une graine de melon, mais cette fois-ci, il portait sur l'épaule un quartier de viande assez lourd qui semblait être encore vivant. À sa façon de se débattre, tous comprirent que le quartier de viande en question était une femme, d'une espèce assez différente de la leur. Étrangement, l'idiot ne semblait pas disposé à la manger, encore moins à partager son goûter avec ses camarades. Il semblait même plutôt enclin à jouer avec elle, ce qui, comme chacun le sait, ne se fait pas quand il s'agit de nourriture. Mais comme personne n'avait jamais vu un beefsteak rire et se tortiller dans tous les sens quand on le chatouille, eh bien le reste de la tribu s'écarta avec gêne et réprobation. Au petit matin, voyant que l'idiot dormait encore, ils s'approchèrent et constatèrent avec surprise que la femme à ses côtés était à peine entamée, voire intacte. Il leur restait maintenant à vérifier par eux-mêmes en quoi cette chair avait quelque chose d'aussi incomparable, si l'on en croyait les soupirs de satisfaction émis par l'idiot entre deux ronflements. Ils goûtèrent donc. À son réveil, devant les os rongés de sa toute nouvelle fiancée, l'idiot fut pris d'un terrible chagrin. Gentiment, les chasseurs tentèrent de justifier leur conception plutôt traditionnelle de la gastronomie. Les arguments habituels, baffes, morsures, cris et bourrades, n'y suffisant pas, il leur fallut inventer autre chose pour se mettre à la portée de son cerveau vif comme une palourde des marécages. Et c'est ainsi que l'homme inventa le langage. Ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez la porte, c'est un homme passant. Ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez la porte, c'est un homme passant. Et cet homme-là, pour se donner du courage, il chantait.
Il faut dire qu'il avait traversé des montagnes, traversé des forêts. Son manteau était lourd, lourd de pluie, lourd de froid, mais surtout lourd de tout ce qu'il avait vu. Il fuyait la guerre, il fuyait la violence des hommes, et il portait en lui une folle espérance, celle de trouver une petite maison où se réchauffer. Et alors pour se donner du courage, il chantait le plus qu'il pouvait, et soudain au loin, il voit une petite lumière, et surtout il voit, on aurait dit de la fumée, qui s'échappait d'une cheminée. Oh, mais qui dit fumée, qui dit cheminée, qui dit petite lumière, dit un bon feu, et un bon feu, bien alors, une bonne soupe. Alors il hâte le pas. Il marche, et il arrive à la petite maison. Il frappe en chantant sa petite chanson. Ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez la porte. Il avait ce fol espoir. La porte s'ouvre. Oh, ben non, c'est pas possible, encore vous, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais il y en a combien qui vont passer comme ça devant ma porte? Mince alors, quoi? C'est pas comme si on avait tout ce qu'il faut ici. Ici, on n'a rien. C'est pas compliqué. Ici, on n'a rien du tout. Alors, vous savez pas quoi? Passez votre chemin. Et puis, si vous n'êtes pas content, eh ben, vous avez qu'à manger des cailloux. Et clac, la porte se referme. Alors, il reprend son manteau, lourd de pluie, lourd de tout ce qu'il avait vu, lourd de toute cette guerre. Et il fait demi-tour. Mais la lune brillait d'une façon très étrange. Elle brillait sur des petits cailloux qu'il y avait sur le chemin. Et parmi tous ces cailloux, il y en avait un qui brillait plus que les autres. Comme ça, il le prend. Il le met dans sa poche. Il s'apprêtait à continuer son chemin lorsque... Ah, ça lui a donné une petite idée. Il a fait demi-tour. Il a repris sa petite chanson avec du cœur à l'ouvrage et il a frappé à la porte. Oh, mais attendez. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, là. Pardonnez, madame, mais permettez à un pauvre homme de préparer son caillou. Je voudrais faire une soupe au caillou et pour ça, il me faut juste un petit peu d'eau. Permettez, s'il vous plaît. Intriguée, voire curieuse, la vieille femme le laisse entrer et fait chauffer un chaudron d'eau qu'elle fait bouillir comme ça devant l'âtre. L'homme en profite pour s'asseoir. Et là, le manteau commençait à fumer. Et puis, il a attendu que des bulles se forment comme ça tout autour du chaudron. Et il y a jeté son caillou. La femme était très intriguée. Elle se demandait même si elle n'avait pas affaire à un zinzin. Et ça, c'est dangereux, un zinzin dans sa maison, voyez-vous. Et l'homme se détendait petit à petit, et voyant les bulles qui commençaient à encercler comme ça la marmite, il y a jeté son caillou et il a dit « Ça me rappelle chez moi. » Chez moi, on disait qu'il fallait percer les bulles comme ça qui entourent la marmite, et pour ça, on allait trouver un truc. Chez nous, on mettait quelques grains de sel. Oh. Mais ça, c'était chez nous, évidemment. Ici, c'est pas chez nous, puis ici, je sais bien, vous n'avez rien. Pas exagéré quand même. Vous prenez pour qui? Pour des gueudins ou pas là? Du sel, on en a. Et la vieille, elle s'en va derrière la porte, ramener une petite poignée de sel. Et lui, l'homme, il jette comme ça en pluie le sel. Et le sel, il a glissé dans l'eau, il a percé les bulles. Et le caillou s'est mis à danser en faisant des jolis sons. Clic-clonc dans la marmite. Et la chaleur commençait à remplir tout son corps. Il s'est détendu comme ça. Ses godasses commençaient à fumer. Puis il a dit, oh, mais ça me rappelle quelque chose. Chez moi, on disait que le caillou, pour qu'il se sente bien, il fallait lui mettre un blanc manteau comme ça, pour ne pas qu'il heurte de trop plein fouet la marmite. Et pour ça, on avait trouvé. Mais ça, c'était chez nous. Et on mettait un petit peu de farine. Ah oui, non. Ici, c'est pas chez nous, puis ici, j'ai bien compris, il n'y a rien. Non, mais ça va, la farine, c'est bon. Et là, la vieille qui fait demi-tour, elle va chercher un petit sac de farine. L'homme, il plonge sa main comme ça, et il ressort un magnifique petit château de farine. Il jette ça dans la marmite. Et puis, il tourne avec la cuillère. Oh, et le caillou, comme ça, il s'est drapé d'un grand manteau blanc et ça faisait des bruits sourds comme ça. Ses souliers fumaient,
Ses jambes arrêtaient de trembler. Son corps reprenait vie. Ah, oh, mais j'y pense chez moi. Oh, ça me rappelle trop chez moi. Mais ça, c'est seulement quand on était riche. Mais nous, on y arrivait quand même. On disait qu'il fallait mettre un peu de lumière dans la marmite. Et pour ça, on mettait un petit morceau de beurre. Mais bon, non, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Si c'est pas fini. Ça fait rien, tant pis, ça ira très bien comme ça. Oui, non, mais bon. Bon, elle fait demi-tour et elle ramène un petit morceau de beurre. L'homme prend son couteau. Va mettre une liette, ça y est, c'est mon tour. Il tranche un morceau de beurre et le jette dans la marmite. Oh, le beurre, une fois arrivé dans la marmite, il était bien. Il s'est étalé de tout son long et il a dansé comme ça en faisant des grandes arabesques. Et toute la surface de la marmite devenait dorée à souhait. Mais je me rappelle d'un truc. Oh, mince. Chez nous, on disait que pour accompagner le tout, il fallait mettre un oignon. Oh, un oignon. Oui, j'ai compris, ça, des oignons. Non, mais vraiment, vous nous prenez vraiment pour des demeurés, hein, c'est pas possible, ça. Et elle file toujours derrière sa cuisine et elle ramène des oignons. L'homme prend son couteau, tchac, 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 les coupe en petits morceaux. Puis il les fait dorer comme ça devant l'âtre et il jette ça dans la marmite. Et il touille et il touille et il s'étale comme ça sur la chaise. Et il est bien, et il est bien. Oh, s'il vous plaît, madame, vous n'auriez pas deux bols? Non mais ça va là, pour qui vous vous prenez? Non mais oh, alors comme ça chez vous, on mange avec deux bols. Monsieur veut deux bols. Et madame, ce soir, vous êtes mon ami. Votre invité, vous, invité. Elle fait demi-tour, elle file derrière la porte, elle ramène une nappe. Elle était là, elle dansait presque au milieu de la cuisine. Elle a jeté la nappe sur la table, posé les deux bols et elle est repartie là. Elle avait enlevé son tablier. Elle en avait mis un autre avec des fleurs. Puis elle avait peigné ses cheveux. Et la vieille, enfin je vous dis la vieille, mais elle n'était pas vieille du tout. Elle avait fait de belles nattes, le rose lui revenait aux joues. Ils se sont assis, tête à tête, et ils ont mangé la soupe. Quand la soupe fut finie, l'homme a repris son caillou et son sac pour continuer son chemin. Permettez, est-ce que vous pouvez me laisser votre caillou parce que cette recette est si bonne, j'en referai. Alors il lui a donné le caillou et on dit là que depuis ce temps-là, dans ce village, quand quelqu'un frappe à la porte, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui répond, venez là, ici, il y a une bonne soupe au caillou. Et au loin, on entend l'homme qui reprend sa petite chanson. Ouvrez la porte, ce n'est pas l'homme passant. La mère, l'unique amant dont les bras nous soient toujours ouverts. Oh. Claude Caron. Merci. Dormir et se distraire de l'univers. C'était un marabout. Il avait 15 élèves. Il leur apprenait tous les jours l'algèbre, le Coran et la philosophie. Un matin, à l'heure de la pause, comme les écoliers sortaient à grand bruit de la salle, le plus petit d'entre eux joignit les mains dans un coin de la salle et dit comme à son habitude, « Que Dieu nous préserve de la passion,
Que Dieu nous préserve de la passion. Le maître, pour la première fois, rentra chez lui pensif. Il interrogea sa femme et lui dit : Ma femme adorée, dis-moi, qu'est-ce que la passion ? Lui dit sa femme : Comment ça ? Toi, un homme respecté de partout le pays, un homme érudit comme toi, tu ne sais pas ce qu'est la passion, mais alors dans ce cas, comment moi, pauvre femme, je pourrais te le dire ? Le marabout se tut et alla se coucher. Le lendemain matin, au réveil, sa femme lui parut un peu boudeuse. Il lui dit : Quel beau jour, ma femme adorée. Elle le regarda d'un œil noir. Il la prit dans ses bras. Elle se défit de lui en grognant et elle dit encore : Je suis triste. Oh, mais qu'as-tu ? Oui, eh bien, tu me traites pas mieux qu'un crottin de dame. Tiens, voilà. Quoi ? Lumière de mon œil ? Ma bien-aimée, ma gazelle ? Mais comment peux-tu parler ainsi ? Mais qu'est-ce qu'il te manque pour être heureuse ? Vas-y, dis-moi. J'aimerais avoir un chien. Oh ! Un chien ? Mais tu n'y comptes pas. Moi, un érudit, avoir dans la maison une bête. Mais c'est juste indigne, c'est impossible. On me rirait au nez. C'est bien ce que je pensais. Tu me sens indigne. Tu te moques de moi. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle plie son tablier en boule, le jette par terre, saute dans ses talons, fait demi-tour et ouvre la porte. Oh ! Ma femme, mon Dieu, elle s'en va. Ciel, mon cœur me lâche. Ma bien-aimée, reviens, reviens. Et il hurlait : Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux trois chiens ? Tu veux deux chiens ? Tu veux un bon chien ? Tu auras un chien. Femme fit demi-tour. Et ce jour-là, le marabout, traînant la patte, s'en est allé à l'école, mais meurtri de honte, car il devait dire à ses élèves : S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un d'entre vous a des chiots ? Parce que j'en prendrai un. Silence dans la classe. Horreur ! Quoi ? Le maître veut un chien ? Tous les élèves avaient un œil réprobateur comme ça sur le grand maître, mais le soir, il a ramené le petit chien à la maison. Pendant 2-3 jours, comme ça, la femme était comme à l'accoutumée, détendue, heureuse, mais ça n'a pas duré, car au quatrième soir, mine renfrognée à nouveau. Ma femme, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Qu'ai-je fait de mal ? Que veux-tu ? Lumière de ma vie, je t'en prie, parle-moi. Non, mais rien, il n'y a rien, non, mais j'ai rien du tout. S'il te plaît, que puis-je faire pour toi ? Je veux que tu tordes le cou au petit chien. Possible. Mes mains de lettré comme ça, de couper un petit chien. Mais c'est horrible, mais c'est abject, mais c'est monstrueux. C'est bien ce que je pensais. Tu me traites d'indigne, tu me traites d'abject, tu me traites de monstrueux. C'est ça, tu ne m'aimes pas. Elle roule à nouveau son tablier, le jette par terre, saute dans ses petits talons, clac, 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 va à la porte. Lumière de ma vie, non, je t'en prie, ne pars pas, reviens, reviens, oui, d'accord. Il prend un marteau, le laisse tomber sur ses pieds, renverse la table, fait tomber les bols, prend un couteau, manque de s'écharper le ventre et plante le petit chien sur la table. Bien merci, répond la femme, et aussitôt elle part le faire cuire. Entraînant la patte, le marabout s'en retourne à son école,
enseigner le Coran, la philosophie, l'algèbre. Mais vraiment, il était très triste. Enfin, il n'avait qu'une envie, c'est revoir sa bien-aimée le soir, à la fin des cours. Donc il se précipite à la maison et... Femme, je suis de retour! Femme, je suis de retour! Et là, sur la table, il voit la cuisse du petit chien, avec une jolie petite sauce de cacahuète, des petites patates. Femme, j'ai l'estomac un peu noué, je ne vais pas manger. J'ai eu une journée assez difficile et... Tu sais quoi? Va-t'en chercher une autre esclave que moi. Je me crève toute la journée à te faire à manger. C'est comme ça que tu me traites. Elle met en bouche son tablier, le jette au sol, saute dans ses petits talons, clac, 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 se retourne vers la porte. C'est d'accord, viens, viens. Asseyons-nous et mangeons. Et mangeons. À ce moment-là, la femme sourit. Elle prend le plat avec la cuisse de chien, certes bien cuisinée, s'en va dans le jardin et le jette. Puis elle revient à la cuisine. Et elle amène sur la table un délicieux poulet aux épices. Puis elle se jette aux pieds de son mari, lui embrasse les mains. Mon cher homme, mon amour, telle est la passion. Le lendemain matin, en allant à l'école, le marabout tout savant, quand il a vu le petit faire sa prière dans un coin de la pièce, « Dieu préserve-nous de la passion », il s'est joint à lui. Et ensemble, ils ont dit, oh Dieu, préserve-moi de la passion. Ainsi soit-il. Le soir, en rentrant à la maison, il a regardé sa femme sous un œil tout neuf. Oh, quelle carne! Oui, je la déteste. Et il lui a souhaité le bonsoir, avec une gaieté toute féroce. Un petit budget, on n'a pas de Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Le sommeil est une séparation. Oui, mais regarder quelqu'un qui dort, c'est comme ouvrir une lettre qui ne vous est pas adressée. Sachez-le. Oui, mais celui qui passe la nuit dans la mare se réveille cousin des grenouilles. Robert Berber. Eh bien, ça tombe sur moi. Or la blanda arena que la melma, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muras llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, por todo desvío cayó tu voz. Para recostarla llorada en el canto de las caracolas marinas. Canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Il y a très longtemps, dans le royaume d'Algarve, vivait un sultan, ma foi, plutôt très aimé de ses sujets. Il faut dire que de ses lointaines batailles, il ramenait des plantes extraordinaires, des fruits que personne n'avait jamais vus, et des êtres tout à fait particuliers. Et d'ailleurs, ce jour-là, passaient devant la fenêtre du sultan des esclaves à la peau très blanche. Ça, les gens du pays ne l'avaient jamais vu. Ils avaient la peau presque blafarde et puis des cheveux, on aurait dit, de la paille sèche. Et tandis que tout ce monde-là défilait devant la fenêtre du sultan, ses yeux se sont posés sur une jeune femme. Il la regardait. Plusieurs jours, il la regardait travailler, tant et si bien que finalement, il en est tombé amoureux, donc il s'est dit, je vais l'épouser. Donc il va la chercher, lui dit, ben voilà, comment ça se fait que tu es par ici? Que fais-tu par là? Mais, Seigneur, répondit-elle, c'est vous? Vous êtes venu dans mon pays du Nord, vous avez tué
mon père, ma mère et tous nos sujets. Je suis là votre esclave. Mais je vous épouserai si tel est votre désir. Ah, le roi, enfin le sultan était fou de joie. Oui, voilà, ça c'était bien, se marier, oui, avec une belle créature comme ça. Et il a fait battre la fête. Et pendant 7 jours et 7 nuits, ce n'était que danse, que rôtisserie, que loukoum de toutes les couleurs. Des troubadours venaient de tous les pays. Mais pendant ce temps-là, cette jeune femme qui s'appelait Gilda avait perdu le rose de ses joues. Et elle s'affaiblissait de jour en jour. Seigneur, si vous le permettez, je souhaiterais remonter dans ma chambre, car une immense tristesse m'envahit comme un nuage noir au fond de mon cœur. Le Seigneur se désolait de voir Gilda comme ça, ainsi fondre au milieu de ses coussins. De jour en jour, elle maigrissait. Elle ne pouvait rien avaler, aucun nectar. Elle ne pouvait même pas bouger un seul membre, un seul doigt, et pourtant le sommeil la fuyait. Chaque jour, elle disparaissait un peu plus au milieu des coussins de soie. Le sultan en était vraiment, vraiment désolé et affligé. Il a fait venir de tout le royaume toutes sortes de médecins, mais chacun renonçait. Personne ne trouvait le mal dont souffrait la petite princesse. Un matin, on frappe à la porte et c'était un très vieil homme, à la peau blanche et aux cheveux aussi roussis que de la paille. Et il a dit « Je connais la princesse. J'étais son précepteur. Je viens moi aussi du pays du Nord. Je pourrais soigner la princesse, je pourrais savoir ce qu'elle a. Laissez-moi entrer. » Sans grande conviction, on l'a laissé entrer dans la chambre de la princesse. Et le temps a duré. Au bout d'heures interminables, le vieil homme ressort. « Alors, s'enquit le sultan. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que je peux faire ?» Hélas, Seigneur, la princesse souffre de la saoudade. La saoudade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Seigneur, la saoudade, c'est quand quelque chose que vous aimez très fort vous manque. Eh bien, qu'est-ce qui peut bien lui manquer? Elle a tout, elle est la lumière de ma vie, mon royaume est le sien, tout lui appartient. Qu'est-ce qui lui manque? Elle a mon cœur. Oh, Seigneur, ce qui lui manque, c'est la neige de son pays. La neige qui recouvre de son blanc manteau tout notre pays du Nord. Et ici, dans le pays de l'Algarve, eh bien, le ciel brille d'un bleu insoutenable pour la princesse. Ça alors, se dit le sultan, que faire? Si c'est moi qui l'accompagne dans le pays du Nord, peut-être que la terrible saoudade va me frapper, moi, parce que c'est le ciel bleu de l'Algarve qui va me manquer. Il était désespéré. Pendant des heures et des heures et des nuits, il a réfléchi comme ça, le front contre la fenêtre, à regarder son pays briller sous le soleil. Que faire pour la princesse? Que faire pour la sauver? Et soudain, il a eu une idée. Il a rassemblé tous les gens du contrée, tous les paysans, et il leur a demandé de l'aider, de le soutenir dans ce qui allait devenir la tâche de sa vie. Les gens de son pays l'aimant beaucoup, tout le monde s'est mis au travail. Qui une pioche, qui une pelle, qui un râteau. Et tout le royaume de l'Algarve a été ratissé, la terre retournée, arrosée. Et là, il a fallu attendre. Il a fallu attendre de longs mois. Et durant ces longs mois, juste il y avait qu'un petit souffle qui sortait de la bouche de la princesse, qui n'était plus qu'aussi épaisse qu'un fil de soie dans les coussins. Et un matin d'avril, le miracle s'est produit. Lorsque le sultan a regardé par son balcon, il a su que la princesse allait être sauvée. Alors il est allé la chercher, il l'a portée dans ses bras, il l'a amenée jusqu'à la terrasse. Gilda a ouvert un œil, un tressaillement lui a envahi tout le corps. Parce que Gilda, ce qu'elle a vu par la fenêtre, ce sont des amandiers en fleurs,
des milliers d'amandiers en fleurs qui tressaillaient sous le vent et qui ressemblaient à s'y méprendre, à des flocons duveteux de neige, et ça recouvrait tout le pays d'Algarve. Le rose lui est revenu aux joues, le souffle lui est revenu aussi, et elle s'est dit qu'à ce moment-là, son pays allait être ici. Et si vous passez même en ce moment au sud du Portugal, dans le pays de l'Algarve, les amandiers en fleurs y sont toujours. Rossignolet du bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment il faut aimer, comment il faut aimer, comment il faut aimer, je m'en vais vous le dire, faut chanter des aubades 2 heures après minuit. Faut lui chanter, la belle, c'est pour vous réjouir, c'est pour vous réjouir. On m'avait dit, la belle, que vous avez des pommes de Rennes qui sont dans votre jardin. Permettez-moi, la belle, que j'y mette la main, que j'y mette la main. Non, je ne permettrai pas que vous touchiez mes pommes. Prenez d'abord la lune et le soleil en main. Puis vous aurez les pommes qui sont dans mon jardin, qui sont dans mon jardin. Depuis le haut de la falaise, les gamins ont vu, tout au fond de la mer, quelque chose de grand qui ressemblait à... on aurait dit à un bateau. Bah, finalement non, parce que il n'y avait pas de voile. Ce n'était donc pas un bateau. Oh, mais ça aurait pu être une baleine alors. Non, c'était pas une baleine. La chose immense approchait de la grève pour s'échouer là. Les gamins sont descendus et... se sont dit, tiens, on dirait... ah ben on n'a qu'à dire que c'est un noyer. D'accord. Et ils se sont amusés à l'enterrer, à le déterrer, à l'enterrer, à le déterrer, à l'enterrer, à le déterrer, jusqu'à ce qu'un homme du village passe et soit scandalisé et appelle tout le village. Venez, venez, venez tous. Les enfants ont trouvé un noyer. On a trouvé un noyer. Alors tout le village, affolé, s'est approché et on a décidé qu'il fallait le remonter là-haut dans le village. Mais il était très, 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 très grand. Arrivé là-haut au village, on a essayé de le rentrer dans une maison, mais ce n'était pas possible, c'était... il rentrait pas dans une maison. On a essayé de le poser sur une table, mais c'était pas possible. C'était grand. C'était un noyer particulier. Sans doute devait-il encore grandir, bien qu'il ait été mort. C'était un noyer spécial. Sans doute c'était pas quelqu'un de chez nous. Ça, oui, c'est pas quelqu'un de chez nous. Les femmes ont commencé à lui enlever les coquillages, à lui enlever les algues. Il était vraiment grand, tout gorgé d'eau. Mais ça, c'est qu'il avait dû rester longtemps dans l'eau. Et puis... sur ce grand corps tout raviné. Alors, c'était vraiment étrange. Soudain, on s'est demandé, est-ce que quelqu'un a perdu quelqu'un dans sa famille? Alors, tout le monde s'est regardé. Oh, mais c'était facile parce que c'était un petit village. Il y avait une vingtaine de cabanes toutes branlantes qui étaient battues par le vent et que même quand le vent soufflait très fort, ça soulevait la terre et que même dans ces moments-là, les femmes avaient très peur que leurs propres enfants s'en aillent comme ça partir dans le vent avec la poussière. Non, mais c'était vite fait de faire le tour. Non, personne n'avait perdu personne. Non, tout le monde était bien là. Bon, ben alors peut-être il faut aller voir dans les villages d'à côté si quelqu'un a perdu quelqu'un. Oui, ok, disent les femmes. Donc les hommes, ce jour-là, ne sont pas partis à la pêche. Ils sont partis dans les autres villages demander si quelqu'un avait perdu quelqu'un parce qu'eux, au village, avaient trouvé quelqu'un. Enfin, quelqu'un. C'était quelqu'un qui avait grandi pendant qu'il était mort. Pendant ce temps-là, les femmes eh bien, ont continué à décrotter ce grand corps, à enlever les coquillages,
a enlevé les algues. Manifestement, ces algues n'étaient pas des scies. Puis ses vêtements, oh, ses vêtements sans doute avaient dû être arrachés dans les labyrinthes de corail. Une fois qu'elles ont eu tout gratté, elles ont vu ce corps qui commençait sous l'effet du soleil à se dessécher. Elles ont pris des onguents pour que ce grand corps ligneux ne se dessèche pas. Et elles ont frotté comme ça avec leurs mains, et tandis qu'elles frottaient avec leurs mains, elles se sont découvert qu'il était vraiment beau. Quel homme ! Puis alors, oh, comme il est trop beau ! Alors elles ont continué de le frotter avec leurs mains, à mettre des onguents. Quel homme magnifique ! C'est sûr que s'il avait été d'ici, on aurait eu des grandes maisons pour qu'ils puissent rentrer. On aurait eu des vrais grands lits faits avec des poutres et puis avec des clous d'acier pour pas que ça tombe. Ça, c'est sûr que cet homme très fort, juste il avait qu'à appeler les poissons par leur petit nom, il se serait jeté dans les filets. C'est sûr, cet homme-là, c'est sûr que s'il avait soufflé par terre, eh bien des sources auraient jailli et des fleurs auraient poussé. Et là, ce grand corps commençait à sortir du cadre de leur imagination. Et secrètement, les femmes commençaient à se dire que leurs hommes étaient bien petits, bien maigrichons, pas capables de bien grand-chose. Et secrètement, dans le fond de leur cœur, elles commençaient à les répudier. C'est alors que les hommes sont revenus des autres villages, tout contents, se disant « Ben ça y est, finalement, il ne manque à personne. Ah, il est en canot. » Elles se sont mises à pleurer en voyant ce grand corps-là étendu par terre, qui ne pouvait rentrer dans aucune maison, car elles étaient trop petites. Ce grand corps qu'on ne pouvait poser sur aucune table, parce que toutes s'écroulaient. Ce grand corps posé là dans la poussière, parce qu'il y avait trop de poussière et pas d'eau. Oh, Dieu, elles ont pleuré, elles ont pleuré. Tout ce qu'elle bon, ça, les hommes la trouvaient un peu sévère. Et là, ils se sont dit qu'il était temps de l'enterrer. Mais dans ce village, on n'enterrait pas parce que la terre était trop dure. On jetait par-dessus de la falaise. Donc, ils ont un petit peu activé les funérailles. Ils ont trouvé un grand brancard. Oh, mais disent les femmes, mais s'il est tout nu, on ne peut pas faire des funérailles comme ça. On est allé chercher des pantalons, les pantalons des hommes, mais c'était ridicule, ça devenait un short. On est allé chercher des chemises, les chemises des hommes, mais c'était ridicule, ça craquait, les boutons explosaient. Finalement, on s'est dit qu'on allait faire un pantalon digne dans des voiles de bateau. Mais restait le problème de la chemise. Oh, les femmes ont rassemblé tous leurs voiles de mariée en organdie pour faire une somptueuse chemise. Et puis elles ont voulu lui couper les ongles de pied, mais avec un petit couteau, ça marchait pas. Il fallait une hache pour tailler le bout des pieds, on va dire. Et puis, ça y est, il était prêt à être porté dans un brancard. Et là, les hommes ont accroché une encre marine bien lourde pour être sûr qu'il remonte par la capuche. Pendant ce temps-là, les femmes s'affairaient autour de lui. Elles retardaient le maximum le temps. Alors une allait chercher un petit truc de pacotille dans un coffre. Une autre disait, « Oh, je sais qu'il aimait beaucoup le jaune. » Alors on est allé lui chercher des petits trucs jaunes. Et puis une femme qui était là, une vieille femme, qui avait plus de compassion que de passion, le regardant, dit, « Oh, il a une tête à s'appeler Esteban. » Ah, mais c'est vrai, ça c'est Esteban. Mais oui, il était impossible qu'il puisse avoir un autre nom que Esteban. Et elles se sont remises à pleurer. Pauvre Esteban. Mais comme sa vie a dû être horrible, un grand corps comme ça, qui rentre nulle part. C'est affreux. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et les autres femmes arrivaient des autres villages et elles pleuraient toutes. Oh, Dieu. Mais vous imaginez ça en passant dans ces petites maisons. Et regardez ce qui s'est fait sous le dos. Il s'est arraché la moitié de l'échine. Oh, mais quelle vie, mais quelle... C'est bon, là, il faut y aller, hein. Et tandis que les hommes essayaient vraiment de porter, par Esteban, pour le coup, et de l'emmener, les femmes ont dit non, on ne peut pas. Regardez, il est orphelin, ça n'est pas possible.
On ne peut pas jeter comme ça un orphelin à la mer. Une des femmes a enlevé le petit mouchoir qui lui protégeait le visage contre les rayons ardents du soleil. Et soudain, quand les hommes ont vu ça, ils se sont dit, mais quel bel homme, si ça se peut, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère, a dit l'un. Oui, mais moi je suis son père, a dit l'autre. Oui, mais moi c'était mon grand-père. Et puis, du coup, dans le village, tout le monde s'est trouvé une lignée avec Esteban. Il appartenait à tout le monde. Alors on l'a porté, mais on lui a enlevé l'encre, parce que finalement ce serait bien qu'il revienne. Alors on l'a porté comme ça, et on a traversé le village. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'entre-temps, toutes les femmes des villages à côté qui étaient venues avaient apporté des fleurs qui embaumaient. Ça faisait un tapis moelleux tout autour de Esteban. Mais quand on l'a soulevé de terre, et puis pour traverser le village, là, chacun parmi les hommes a compris que le village était d'une atroce laideur, que ce village tout petit ne pouvait pas accueillir Esteban, le souvenir d'Esteban, que dans son village, dans ce village en terre battue, le souvenir d'Esteban n'aurait jamais pu se reposer. Alors ils sont allés sur la grève pour le jeter par-dessus la mer, en prenant bien soin qu'il puisse revenir comme il veut sur le rivage. Et chacun savait à ce moment-là que tout allait changer. Que pour que Esteban puisse revenir en souvenir, eh bien que les maisons allaient être agrandies. Et puis pour que Esteban puisse se promener pieds nus sans se blesser les pieds, eh bien on savait, les hommes savaient qu'ils allaient creuser la terre, chercher des sources, et puis mettre des fleurs de partout. Et puis oui, c'est ça qui allait se passer dans ce village. D'aussi loin que viendraient les capitaines et les navires marchands, eh bien le capitaine sortirait à l'approche de l'île et il appellerait tout son équipage en disant « Regardez là-haut !» Là où le soleil brille de mille feux, sentez cette odeur de fleurs qui enrobe toute la mer. Eh bien là, c'est le village de Esteban. Et le soleil brille tellement que même les tournesols, les gens ne savent même pas dans quel sens les planter. Regardez le village de Esteban. Au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage en l'espace, le voir glisser à l'horizon s'il fume un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelques fleurs embaument, s'en embaumer. Entendre au pied du saule l'eau murmurer, ne pas sentir tant que ce rêve dure, le temps durer, mais n'apportant de passion profonde qu'à s'adorer, sans les soucis des querelles du monde, les ignorer, et seul. Tous deux devant tous ceux qui passent, sans se lasser, sentir l'amour devant tout ce qui lasse, ne point passer, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer. En ce temps-là, vivait une vieille femme aux mains toutes lisses. Elle avait pour charge trois petits enfants, un grand, un moyen, un petit. Elle en prenait grand soin, cette femme aux mains toutes lisses. Et chaque jour, avant de partir à l'ouvrage dans les champs, elle leur préparait à manger. Et pour elle, elle se mettait un petit bol qu'elle mettait dans le placard. Et tout le long du jour, elle travaillait en se réjouissant de la bonne soupe qui l'attendait. Or, un jour, qu'elle rentrait à la maison pour prendre son petit bol de soupe, eh bien, il en manquait la moitié. Ça, alors, j'étais. Mais qui a mangé ma soupe? C'est toi, le grand? Non. C'est toi, le moyen? Non. C'est toi, le petit? Non. Mais c'est souvent la petite souris. Ah, la petite souris. Alors, ce jour-là,
La vieille femme aux mains toutes, toutes lisses prend soin de couvrir sa soupe, de la mettre dans le placard et de fermer le placard. Elle est allée travailler, et tout le jour elle travaillait, en se réjouissant de la bonne soupe qui l'attendait. Ce jour-là, elle rentre à la maison, elle prend son bol de soupe. Il ne restait que deux bouchées dans le bol. C'est toi le grand qui a mangé ma soupe? Non, non. C'est toi le moyen qui a mangé ma soupe? Non, non, non. Alors c'est toi le petit qui a mangé ma soupe? Non, non, non. C'est souvent la petite souris. Vieille femme aux mains toutes, toutes lisses avait beaucoup, beaucoup de peine dans son cœur. Mais elle a pris son petit bol de soupe qu'elle a refait pour le jour suivant. Elle a bien mis un couvercle. Elle a changé l'étagère et elle a fermé le placard. Elle est allée travailler dans les champs en se réjouissant de la bonne soupe qui l'attendait. Et quand elle est rentrée, elle a pris son bol de soupe. Il n'y avait plus rien. Non seulement il n'y avait plus rien, mais le couvercle était tout léché. Léché, léché, léché. Il n'y avait pas la moindre trace. C'est toi le grand qui a mangé ma soupe? C'est toi le moyen qui a mangé ma soupe? Ben non. Ben alors c'est toi le petit qui a mangé ma soupe? Non, non. Ben c'est souvent la petite soupe. Okay. Un de vous trois me ment, mais je saurai la vérité. Je vais vous emmener au bord du lac. Et là, le génie des eaux saura lequel d'entre vous a menti. Gare à vous, car il vous emportera. Oui, oui, oui. Les voilà arrivés au bord de l'eau. La vieille femme aux mains toutes, toutes lisses appelle le génie des eaux. Lequel de mes petits a mangé la soupe? Est-ce toi le grand? A dit le génie des eaux. Non, c'est pas moi. L'eau reste toute calme comme un miroir. Est-ce toi le moyen qui a mangé ma soupe? Enfin, la soupe de la grand-mère. Ben non, non, c'est pas moi. Et l'eau reste toute bien calme. C'est toi, le petit, dit le génie des eaux, qui a mangé la soupe de la grand-mère? Le petit s'avance dans l'eau. Ben, non. Et l'eau commence à enfler, à faire des grandes vagues. Non, non, c'est pas moi. Et l'eau monte, monte, monte jusqu'au cou. Mais c'est sûrement la petite souris. Et à ce moment-là, le génie des eaux emporte le petit au loin. La vieille femme aux mains toutes, toutes lisses reste interdite comme ça, puis dans un sursaut de lucidité se jette dans l'eau pour attraper son petit. Il n'y a plus que les cheveux qui flottent sur l'eau. Elle rattrape les cheveux, elle tire, elle tire, elle tire de toutes ses forces. Mais le génie des eaux, lui, il veut son dû. Il tire de l'autre côté. Et la vieille femme serre ses mains et tire autant qu'elle peut. Le génie des eaux n'a pas l'intention de faiblir, mais devant la détermination de la vieille femme, il lâche un peu prise et ça permet à la vieille femme de tirer son petit. Lorsqu'elle ouvre sa main, cette vieille femme en main toute, toute lisse, eh bien les cheveux de petit étaient restés imprimés dans sa main. Et c'est depuis ce jour que nous avons ces lignes de lavin en souvenir de ce petit qui n'avait pas dit la vérité. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Edmond Rostand. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Winston Churchill. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque et à te regarder, ils s'habitueront. René Char. Sommeil du juste. Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux parce qu'ils s'en foutent. Dis-moi, Daphénéo, quel est donc cet arbre dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent? Cet arbre chrysaline est un oisetier. Je croyais que les noisetiers donnaient des noisettes d'Aphénéo.
Au cœur de la montagne, parmi les ifs et les nuages, seul l'œil perçant de l'aigle et le regard attentif du tigre pouvaient discerner une petite maison de bois. C'est là que vivait le peintre Tuulan. Le vieil homme sortait rarement de sa petite cabane de bois. Il en sortait juste pour faire quelques pas et cheminer le long de la colline. Mais la plupart du temps, il restait dans sa petite cabane où il déployait ses papiers de soie, il prenait ses crayons de bois et il dessinait des visages. Chaque jour, il dessinait 7 visages. Chaque jour de la semaine. Et à la fin de la semaine, il déployait par terre 7 fois 7 visages. Quand il n'avait plus d'inspiration, eh bien il avait pour habitude de descendre de sa montagne et il s'installait là à l'entrée du marché. Il prenait ses crayons de bois, ses papiers de soie et il regardait attentivement tous les gens qui passent. Et il était là, submergé par la beauté de tout ce qu'il voyait. Une vieille dame avec des cheveux blancs, un enfant aux yeux rieurs, un homme avec des belles rides comme des ruisseaux sur son visage, et il s'en mettait plein les mirettes. Et quand il avait plein de visages comme ça dans sa tête, eh bien, il remontait dans sa petite cabane de bois, et là, frénétiquement, il dessinait à perdre haleine. Parfois, il vivait comme ça, dans un parfait équilibre et dans une harmonie absolument éternelle. Se répète comme ça pendant des jours et des jours et des siècles et des siècles. Mais un matin d'hiver, on frappe à la porte. C'était la mort. Je viens te chercher, Tuulan. Oui, 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 oui. 2 minutes, assis-toi, j'arrive. Jamais on lui avait parlé comme ça. Bah, il faut dire que Tuulan était occupé. Très occupé avec ses crayons de bois et son papier de soie. Et là, il ne fallait pas le déranger. L'inspiration, comme ça, l'habitait. Bah, la mort, elle s'assoit. Et quand même, elle est curieuse. Alors, elle s'approche de Tuulan et par-dessus son épaule, elle regarde qu'est-ce que c'est qui est si important comme ça, si important. Et oh, la mort, elle en a tressailli, elle en a eu. Oh, si elle avait pu, la chair de poule. Parce que Tuulan était en train de peindre les yeux d'un enfant qui riait aux éclats. Et ça, la mort, elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Parce que la mort, qu'est-ce qu'elle connaissait des hommes, la mort? La mort, elle connaissait... Non, pas moi! Lui, pourquoi moi? Pas maintenant, non! Elle voyait que des rictus, que des visages abominables, qui hurlaient, qui se déchiraient, qui injuriaient la mort. Elle s'est dit, bon, les hommes, bon, autant les emmener tout de suite. Mais là, elle a pas pu. Elle s'est dit, je me suis peut-être trompée ou on m'a mal indiqué qui je devais emmener. Alors elle est repartie comme ça dans les cieux, confesser au maître qu'elle n'avait pas pu. Ah ben diable, dit Dieu, ça c'est bien la meilleure. Mais cet homme comme ça qui a mis en déroute ma fidèle servante doit être quelqu'un d'exceptionnel. File me le chercher tout de suite. La mort est repartie, mais cette fois elle n'a pas frappé. Elle a poussé la porte comme ça d'un grand coup de pied. Vous étiez où, je vous attendais. Tuulan était prêt. Il avait pris ses petits rouleaux de soie sous le bras, ses crayons de bois. Oui bien, on y va. Hein. Arrivé au royaume des cieux, Dieu le regarde, ce petit homme tout rabougri, comme ça. Ben dis donc, c'est donc toi comme ça qui mets, comme ça, ma fidèle servante en déroute. Hmm? Alors il paraît que tu peins des visages. Et pourquoi ça, que des visages? Grand maître des cieux, c'est que les visages sont les plus beaux paysages du monde. Montre. Ah, quand même, dit Dieu, oui. Ah, oui. Ah, j'aurais pas fait mieux. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Suis-moi. Et ils ont traversé comme ça des merveilleux jardins de... Des merveilleux jardins, des merveilleux jardins, vous voyez ce que je veux dire. Et il l'a entraîné comme ça, tout au bord de la source de vie. Il lui a dit, ben voilà, Tuulan, ta mission, chaque fois que je ferai naître une personne sur terre, tu seras chargé de lui dessiner son visage. Et ainsi fut fait depuis la nuit des temps. Et je vous ai raconté cette histoire
parce que si vous n'êtes pas content de la tête que vous avez, ben maintenant vous savez à qui vous la devez. À Tuolab. Mais sachez que Tuolab, dans son ouvrage, a mis tout son savoir, toute sa ferveur, toute sa passion, et surtout, tout son amour. Et on dit que si les roses sont invincibles, c'est qu'elles ont été éduquées pour ça. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. On ne peut pas enfermer tout le monde, c'est déjà fait. J'aimerais aller dans le sommeil comme j'avance dans l'amour, avec l'impossibilité d'en revenir, brûlant jusqu'au dernier tous mes vaisseaux chantants. Jacqueline Kellen. En ce temps-là, il vivait libre et heureux. Il n'appartenait à personne. Enfin, maintenant, ils ont tous un propriétaire. Mais à l'époque, ils étaient libres. Nous autres, les femmes, nous pouvions faire ce que nous voulions. En fait, je suis en train de vous parler du temps béni des braquemars sauvages. Non, ils appartiennent tous à quelqu'un. Mais enfin, en ce temps-là, on pouvait en faire ce qu'on en voulait. Et ils avaient l'habitude, ces petits coquins, de se cacher dans la mousse le long des champs de thé, car ils savaient très bien qu'à la pause, les femmes venaient y déposer leur derrière. Mais là, nous étions à l'automne. Et à l'automne, eh bien, deux jeunes filles s'en vont cueillir des petits fruits de l'automne et la plus jeune trouve au sol, à travers la mousse, un petit quelque chose qu'elle ne sait pas définir. Elle tire dessus, ça ne venait pas, elle gratte, elle tire. Le tout petit, ben, ma foi, s'est racorni comme ça. Elle appelle sa grande sœur, il y a quelque chose, il y a, j'arrive pas à l'attraper. Je vais te montrer comment on fait pour les sortir de la mousse. Elle se pose sur le sol, s'approche tout près du petit tout meurtri, lui chuchote quelques mots, lui susurre quelques petites choses et puis lui fait un petit col roulé avec ses lèvres. Doucettement, le petit, eh bien, se regaillardit, sort de dessous la mousse et là, hop, elle l'attrape et le met dessous sa jupe. Et là, le coquin, il s'amuse, il se trémousse et il court et il court. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'en ai un comme ça, avec une telle vitalité. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, elle pousse un petit cri d'hirondelle amoureuse. Une fois revenue parmi notre monde, elle se dit, oh là là, celui-là, je vais le garder. Elle l'attrape et enfin, économe, la met dans son panier. Chut, dit-elle à sa petite sœur, ne dis rien à nos mères. Si tu ne dis rien, je te le prêterai. Arrivée à la maison, elle dépose son nouveau compagnon à l'abri près de l'âtre sous une pierre plate. Puis elle va se coucher et elle attend que tout le monde s'endorme. Durant la nuit, elle descend vers l'âtre, elle récupère son ami, le monte dans son lit, le pose entre ses jambes. Oh, quelle bonne! Mais quelle bonne! Pendant des jours et des jours, un bonheur incroyable. Au matin, elle était épuisée mais radieuse. Mais vint un moment où la grand-mère, qui était en train de tisonner dans le feu, trouve le petit caché comme ça dessous une pierre plate. Oh, mais qu'est-ce que ce joufflu des buissons fait ici, de la vieille? Que nenni! Et hop,
D'une main preste, elle le jette dans le feu. Il se met à crépiter, à fondre. Dis la jeune fille, mon Dieu, non. Elle se précipite pour le rattraper, mais il ne restait qu'un petit bout de chair sanguinolent. Elle est allée se coucher, l'a mis entre ses jambes, près de son nid douillet, mais rien n'y fait. Elle a eu beau faire tout ce qu'elle a pu, la sticoter du pouce, de l'index, rien. Alors elle s'est endormie, en se disant peut-être que demain il ira mieux. Alors elle l'a collée là, tout en haut de ses cuisses, et elle a attendu au matin. Elle l'a cherchée, elle ne l'a pas trouvée, mais elle a senti qu'il s'était un petit peu ragaillardi. Alors elle a voulu l'attraper, mais il ne décollait pas. Alors elle l'a titillé, et c'était un autre plaisir. Ça alors, il était resté collé là, il ne voulait plus bouger. Elle est allée raconter ça à ses copines. Alors elles sont parties dans les champs, elles ont ramassé tout ce qu'elles ont pu, elles ont fait moisson de braquemars sauvages, il n'y en avait plus à la fin, elles avaient tout ramassé, jeté dans le feu. Beaucoup n'ont jamais pu récupérer, mais quelques-uns, on a pu juste à temps les récupérer. Et les femmes ont fait comme on a dit, elles les ont collées là, tout en haut de leurs cuisses, près de leur nid secret, et elles ont attendu effectivement le lendemain. Et c'est depuis ce jour que les femmes ont là, tout au bas de leur ventre, cette petite fraise des bois qui fait rire leur ventre. Le Alan, il n'y a qu'un pas. La musique marchande le sable et sème nos illusions. Appelle-moi donc, ta voix est apaisante. Ta voix est comme la sève verte. De cette plante étrange qui pousse aux confins de la mélancolie. Viens que je te dise comment est vaste ma solitude. Cette solitude qui jamais n'aurait prévu la soudaine irruption de ta présence. Tel est le propre de l'amour. Merci.